102 braves ont participé aux épreuves de qualification. Et les 30 plus courageux ont été sélectionnés pour s'envoler vers Fort Boyard. Bienvenue à Fort Boyard. On peut bien rêver du trésor autant qu'on veut, mais les obstacles pour y parvenir sont nombreux. Il y a d'abord le temps. On peut être prisonnier, mais il y a aussi des adversaires redoutables qui font tout en leur pouvoir pour empêcher que la clé ne tombe aux mains des candidats. Une équipe qui veut des boyards, Tu sais que ce sont presque tous des gens qui font des arts martiaux. Je dis presque, hein, mais pas tous. Je te présente tout de suite le capitaine Jean-Michel Larroux. Jean-Michel est technicien ambulancier. Alors, ce qu'il apprécie le plus dans son travail, c'est de sauver des vies. J'espère qu'il n'aura pas à sauver son équipe aujourd'hui. Sauver la sienne. Oui. Juste sauver la sienne, une ça va être assez. Une belle équipe, si je peux rajouter. Là. Oui. Une très belle équipe. Un peu foufou, mais une belle équipe. Alors, à sa gauche, Marie-Josée Brien, qui est étudiante et prof d'aérobie. On a aussi Claude Tousignan. Claude est imprimeur. Pressé de commencer. Ça fait bonne impression. Et bien là, ils ont osé défier et venir affronter le Fort Boyard. On est très contents de les accueillir, Joanne Labelle et Stéphane Rousseau. Oh, merci. Oui. C'est pas facile, ça. Hein? Il n'y a rien de donné ici, il n'y a rien de gratuit ici. Amenez-en des bébites. Pour se rendre jusqu'à la cage, jusqu'à la salle du trésor, ça prend des clés, vous en avez besoin de 5. Vous avez 6 épreuves pour y parvenir et 2 rendez-vous avec le père Fouras qui va donner des énigmes pour commencer. Si vous avez de bonnes réponses, vous avez autant de clés que de bonnes réponses. Mais s'il n'y a pas de bonnes réponses... Si jamais on se trompe à la vigie, le père Fouras lance la clé à la mer et Marie-Josée... Non, Marie-Josée, tu vas essayer de répondre, mais c'est Claude qui va se sacrifier, qui va sauter à la mer pour aller récupérer cette clé-là. Ça fait que Marie-Josée, il compte sur toi. Hein? Marie-Josée, tu pars immédiatement avec Alain. Oui. Tu vas rencontrer un être absolument adorable. Oui, écoutez, bon, vous savez qu'à partir du coup de gong, vous avez 35 minutes pour accéder à la salle du trésor. Pas plus, pas une seconde de plus. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur. On a la clé. Vas-y. Okay. Alors, viens-t'en. J'ai vu, j'ai vaincu. Allez, viens la boule. Top shape pour la fin de semaine, il faudrait que je fasse une petite danse en ligne, moi. Et si vous êtes gentil avec moi, je vous donne un cours gratuit. Ah oui, parce que vous en faites, hein, de l'aérobic. Oh, je suis fait à l'os, ma petite Marie-Josée. Oh, bon, c'est le 7 et 8 qui me causent encore des petits problèmes, mais ça va s'arranger, tout ça. Vous vous entraînez même à votre âge? Oh, mais oui, hein, pas pire pour un vieux. Pas si mal. Bon, allez, on va voir maintenant si comment vous êtes, vous, là, pour mes petites énigmes. Hein. Écoutez bien. Il a... oignon aux pieds et sa tête blanche est symbole de vertu et d'attributs royaux. La belle, dont le teint est de neige franche, rappelle sa corolle, digne d'un drapeau. Qui est-il? Je répète, écoutez bien chaque mot. Il a oignon aux pieds et sa tête blanche est symbole de vertu et d'attributs royaux. La belle, dont le teint est de neige franche, rappelle sa corolle, digne d'un drapeau. L'oignon? Non,
oui, oui, continuez. L'échalote. Est-il? Le navet. Oui, allez, allez, dites encore, allez. Attendez. Vertu. Attribut royaux. La croix, non. La croix, Oh, et la croix et la bannière, là. Non, c'était le lys. Mais oui, l'oignon, le bulbe du lys. La tête, le symbole de vertu de la royauté. Un teint de lys, enfin, Marie-Josée. Hein? Et le drapeau du Québec. Oh, dites-moi, vous pensez que le lys, ça pousse dans l'eau salée? Hein? J'ai pas l'impression. Hein? Allez, hop. Eh bien, descendez, descendez. Et comptez, hein. 7 et 8, allez, allez. 7 et 8, et 7 et 8. Alors, le 1 et le 6, montrez-moi ça, vous. Claude, enlève ton chandail, il faut que tu ailles chercher ça. On perd pas de temps, parce que c'est du temps qu'on prend sur notre 35 minutes de jeu. Tu sautes à droite, OK? Tu fais attention. Okay. Tu sautes à droite, tu vas la chercher, tu la vois, à flotte. C'est bien, je vais. OK, oui. OK. OK, c'est beau. Tu nages! Wow, la clé s'en vient vers toi, chanceux. Allez. Excellent. Viens-t'en, viens-t'en, Claude! Super! Super! La mer a l'air d'être belle aujourd'hui. Ouh! Ah, attention de ne pas l'échapper, hein? Ouais. Bon, tous les endroits sont bons. Allez, 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 on perd pas de temps, viens-t'en. OK. Tire avec tes bras. Voilà. Super. OK. Tu montes, t'as 5 mètres à monter, 5 à 7, là, avec... Ouais, plutôt 7 en ce moment, parce que la marée est assez basse. Il va être tricoté. Hey! Bon, ben Marie-Josée va se sentir moins coupable. Ah, pas facile à monter, hein? La première marche en descendant est haute. Est haute! Excellent, bravo, bien ça! On s'en va rejoindre l'équipe! Yo. Super! Bien ça! On avait confiance! Non, je sais pas, vous autres, là-bas. Oh, oui. Ça vous ce qui arrive à Fort Boyard, à Fort du Temps, hein? On perd justement la notion du temps. C'est normal, vous n'avez pas de montre. Oh, mais il faut remettre les pendules à l'heure, là. Mais ça prend quelqu'un d'un peu plus costaud. All right. Jean-Michel, quand on dit remettre les pendules... Oui! Oui, Chloé! Voilà! Bon, Jean-Michel, c'est bien beau les festivités, là, mais on a de l'ouvrage voilà. Ici. Il faut remettre les pendules à l'heure. Puis comme c'est une horloge de style très boyardesque, elle fonctionne encore avec une clé. Bonne chance. Vas-y. Claude, fais attention! OK? Tu n'essayes jamais de l'arrêter quand il redescend. Faut que tu l'envoies, qu'il accroche la clé qui passe dans le pendule, là. OK? Mais fais attention quand il redescend, s'il te plaît. Jean-Michel, ne l'arrête pas, s'il te plaît. Prends ton temps, prends les deux pas d'élan que tu peux prendre. Ça. Yes. T'es capable. Viens-t'en, mon bébé. Prends ton temps. Jean-Michel, prends les deux pas que tu peux prendre d'élan, là, puis rentre ton bras. C'est ça. Jean-Michel, ça prend trois fois.
Jean-Michel? C'est pas fait mal. Oui. Sais-tu combien de fois je t'ai dit de ne pas l'arrêter avec tes mains? Tu me fais peur! OK. Les horloges sont vraiment spéciales à Port-Voyant. Approchez un petit peu, voyons, restez pas là, restez pas là. Tellement évitant, tellement charmant comme endroit ici. Vous n'avez pas peur de la noirceur? Hein? Vous n'avez pas peur de la noirceur? Qui ça? Non, je pose la question, je te regarde, pas peur de la noirceur? Un peu. Bon, regarde. On verra bien ça tantôt. Marie-Josée, ici. Ah ben. C'est ça, Marie-Josée. Ici, bon. Et voilà. Okay. Bon. Merci, Marie-Josée. Comment on a toujours été avec toi? Bonjour, Marie, on est avec toi. Marie-Josée, essaie de rester calme. Marie-Josée, essaie de rester calme, OK? Parce que je vais essayer de te donner des explications. Okay. Mais il faut que tu restes calme, OK? Très bien, oui. Le temps va commencer seulement quand la cagoule va être enlevée. Inquiète-toi pas! La concentration, Marie. La logique pour sortir ton bio. OK, voilà. Marie-Josée, oui. Il faut que tu enlèves le poteau. Lève-le, le poteau. Lève-le avec tes fesses. Lève-le, voilà. OK. Vas-y. T'es capable. Allez, penche-toi, penche-toi. Descends, descends. C'est ça, Marie, c'est beau. Descends le plus bas possible si tu n'es pas capable. Penche-toi plus tard. Descends, tu l'as, Marie. Est-ce qu'elle a le couteau dans le bon sens pour que ça coupe? Une fois que ça va être défait, la clé est suspendue, elle va être facile d'accès. Il faut juste qu'elle s'y. Marie, mets ta porte en descendant. Allez, coupe. Vas-y, lâche pas. Fais du temps encore. Il en reste. Ah ouais. Vite, mets la pesanteur en descendant. Tu viens de te libérer de... Tu viens de te libérer du cachot de la boule, mais t'es pas encore libéré du père Foura. Qui t'attend encore? Allez, on repart. OK, on a vu ça, on Par ici, par ici. Oui, reste calme. Facile à dire, hein? Facile à dire quand on le regarde partir comme ça, quand c'est pas nous. Tête de broche, Comment ça va, Joanne? Ça va. T'as l'air un peu nerveuse. Non, c'est pas la trappe, je suis correcte. T'as l'air un peu inquiète. Hein? Non, ça va. Joanne, là, écoute, souris, tu m'inquiètes. T'es capable, Joanne. Ouais, comment? Vas-y, Joanne. Oh, Joanne! T'es capable, Joanne. Il faut que t'ailles. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, c'est dégueulasse! Pourquoi ils m'ont donné ça? Allez, Joanne, pas sur l'équipe, OK? Oh, merde! Joanne, écoute-moi. Prends ton temps et occupe-toi pas de ce qu'il y a dans les... Joanne, vas-y doucement. Je suis avec toi, tout mon cœur. Je suis vraiment avec toi. Mets la main. Joanne!
Tu rentres la main, OK? Vas-y, vas-y. Pas grave, je vais pas. Vas-y, vas-y. Allez, allez, allez. T'es capable. C'est sûr que tu voulais l'avoir, je te comprends. Oui, je te comprends. Mais pourquoi tu me vas dans celui-là, t'as pas peur? Non. OK, John, on te laisse. Est-ce qu'on continue? Venez vous en, on continue. On continue, vous en. Ça va, Marie-Josée? Ah, ça va. Oh là, moi, je crois que je vais raccrocher mes patins, là, hein, pour l'aérobic. Oh, mais c'est joli, ce petit bracelet, là. C'est un petit souvenir? Oui, un souvenir de Pamoya. Bon. Eh bien, écoutez, je vais vous en donner un autre, moi. D'accord. Écoutez, c'est le nom qu'on donnait à un drame lyrique. Aujourd'hui, on y prie son Dieu. À Montréal, trône sur des pentes rustiques, ce point de rencontre des genoux douloureux. L'oratoire. Écoutez, je l'avais laissé dans le placard. Je pensais pas que vous l'auriez trouvé. L'oratoire, effectivement. L'oratoire pour prier et les pentes du Mont-Royal où on y monte à genoux l'escalier. Bon, eh bien, vous n'allez pas descendre à genoux. Allez, merci, vous aurez un cours gratuit. Félicitations. Bien, bien, bien. Joanne, est-ce que tu es remise? Joanne, est-ce que tu es remise de tes émotions? Oh, je m'excuse. Je t'ai fait un bel effort. Est-ce que tu es prête à recommencer? Non, non, on n'est pas pire. Est-ce que tu es prête à recommencer? Et ta compatriote? Yeah! Marie! Oh! Bravo! 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 Vous connaissez l'expression tomber, c'est divin, tomber, c'est humain, se relever, c'est divin? Mais ici, tomber, on se met dans le pétrin. Oh! Pas tomber. Faut surtout pas tomber. T'es un garçon équilibré, toi. On essaie. Oui, Jean-Michel, t'es un garçon équilibré. Allez, faut surtout pas tomber, OK? Faut surtout pas tomber. Allez, 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 allez. Jean-Michel, va à l'escalier, là, va à l'escalier. Voilà. OK, Jean-Michel, écoute bien. Si tu tombes, tu risques fort de rester prisonnier, OK? Fait que va doucement, pousse au plafond. OK? Jean-Michel, concentre-toi. Bon, c'est Madame Jigger. On vient mes gros. Fais attention, Jean-Michel. J'ai mis des belles jambes. Fais attention, il y a un trou, là. Jean-Jacques. OK. Let's go, on a du temps, on a du temps. Action tranquillement. Let's go. Let's go. Oui. Tu vois, là, il a passé un endroit où il y avait plus de temps. Je vous aime, les amis. Fais du temps, Jean-Michel. Il y a des endroits où il n'y a pas vraiment de corniche, fais attention. Pousse, lâche pas. Let's go, Jean-Michel. Est-ce que René le Cavalier en pense quelque chose? Eh bien, ça fait longtemps que je l'ai mis. Concentre-toi. Allez, vas-y. Let's go, Jean-Michel. Prends ton temps. Il faut qu'il revienne par le même chemin, hein. Faut que je le fasse le tour, le grand baignant. Même chemin. Bon, tu que fais ça. Tu es capable, Jean-Michel. Concentre-toi. Attention, là. Attention, prochain pas, attention. OK. Il n'y a plus de corniche, attention. Place-moi à toi, Jean-Michel.
ça reste pas grand temps. Let's go! Qu'est-ce que tu peux faire? Jean-Michel, essaye de remonter au cas où! Essaye! Par le coin, Jean-Michel! Essaye de remonter! Le coin! Le coin! Oh non! Non, l'autre coin, Jean-Michel! L'autre coin! Essaye de rembarquer! Essaye! Essaye! Let's go, petit encore! Commande! Fais-toi passer, let's go! Ah ouais, t'es capable, t'es capable! Ah ouais! Let's go, t'es capable, Jean-Michel! C'est presque impossible de remonter. Là, cette cellule-là fait tellement de prisonniers. Let's go, commande! Prends ton temps! Jean-Michel! La corniche est molle. Oh ouais, t'as du temps encore. Essaye par l'autre bord, Jean-Michel. T'es capable de sauter haut. Jean-Michel, t'es capable. Vas-y, Jean-Michel! Reviens! Reviens! Jean-Michel! Reviens! Viens, viens, viens! Il peut pas sortir, Stéphane. Ah, peut pas. Non, Jean-Michel, t'es capable. Bon, il y a un rouleau, là, il peut pas sortir. Il est pas venu. Jean-Michel! Jean-Michel, on t'a perdu, OK? Mais nous, on va continuer, on va chercher d'autres clés, puis on se retrouve plus tard, OK? Lâche pas! On est prêts, on est prêts, OK? Lâche pas! On continue. C'est une petite danse, hein? Non, 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 non. C'est une petite danse folklorique. À la main droite, à la main gauche. Ouh là là là! Aïe, aïe, aïe! Attends. On a perdu un candidat? Oui, hein? Oui. Oui. Prisonnier? Quel effort. Hey! Là, ce qui est incroyable, là, c'est de vous voir la... On fait des drôles de têtes, hein, cette affaire-là. Quelle drôle de tête ferait Mme Jagger dans cette affaire-là? Dans quelle? Dans n'importe laquelle. Dans celle-là, là. Elle n'arrachera pas mal. Elle va falloir qu'elle n'arrache, justement. Je t'invite. Je t'invite à une petite danse. C'est pour l'homme fort, ça. Non. C'est une petite danse folklorique. À la main droite, à la main gauche. Ouh là là là. Attends. Amenez-en des bébés. Mets ta main droite là-dessus. Attends, mon chéri, attends. Mets ta main gauche là-dessus. Jamais à l'aller comme au retour. Tu n'as jamais les poignets, OK, Stéphane? Bon voyage, mon chéri. Tu n'as jamais les poignets. Attends! OK, Stéphane. OK, Stéphane. Come on, Stéphane. OK, Stéphane, il faut que tu tires, il faut que tu rentres jusqu'au... Stéphane! Voilà, jusqu'au dos. OK, hey, Stéphane, écoute-moi. Laisse tes bras tendus, tire avec ton épaule en avançant ton pied gauche. Tire avec l'épaule, c'est plus fort de même. Let's go. T'es capable. C'est ça. L'autre pied, ça. Un pied après l'autre. Voilà. Un pied après l'autre. Let's go. Ah ouais, laisse ton bras tendu, sinon tu vas perdre la force. C'est ça, comment tu Taisez-vous, faut qu'ils comprennent. Là, il faut que tu enlèves le couvercle avec ta bouche. Tu fais un quart de tour, puis après, tu vas chercher la clé. Vas-y. Voilà, dans le sens de la flèche. Tu tournes. Stéphane, tu tournes. Tu tournes dans le sens de la flèche. Dans le sens de la flèche, Stéphane. Tourne. T'es capable, mon cerf, comment? Voilà. Oui, OK, lâche-la. Va chercher la clé. Let's go, t'es capable, y'a rien là, cerf. Comment? OK, laisse tes bras tendus. Pas grave. Bon, là, il y a des années okay. Là-dedans, mais... Faut que tu tires encore un peu. Vas-y, Stéphane! C'est ça, tu vas! T'as du temps, mon Stéphane! Va la chercher! Laisse ton bras tendu, tu parles pas de... Avec ta bouche, vas-y! Let's go, Stéphane! Vas-y! Il l'a! T'es rendu! Hey, Stéphane!
Stéphane, il me semble que je t'ai déjà entendu dire « Amenez-en des bébites. » Il en reste une couleur. Il y a des anguilles là-dedans. Véritable mécanique d'horlogerie. Oui. Tu fonctionnes comme les anguilles d'une montre. Ah. C'est merveilleux. Tu as 4 clés. C'est la dernière épreuve. Tu nous apprends absolument. Là. Absolument oui, oui, oui. Pour avoir sinon, au moins accès à la salle du trésor. Sinon, on va être obligé de sacrifier quelqu'un aux oubliettes jusqu'à la fin pour que ça nous tente pas. Ouais. Ici, là, tout est fourni. Hein? Tout est fourni. Ça se mange-tu? Non, il y a rien qui se mange. Mais as-tu déjà eu rêvé de marcher au plafond? Ah, oh, n'importe où. Vas-y. OK. Claude, vois-tu la clé au bout? Oui. De la cellule, oui. Tu dois grimper avec la force de tes bras pour te mettre dans les étriers, les deux pieds dans les étriers, OK? Oui. Voilà. C'est beau, c'est beau. C'est bon, super. Comme okay. On a pratiqué pareil. C'est bon, c'est beau. Les deux étriers. Les deux étriers, prends les deux. Les Claude, deux. En arrière de toi, prends les deux étriers. OK. Attention, c'est ça. Shit. Oh là là là. Ah, ouais, ouais, use ouais, pas ouais. Trop tes forces, attention. C'est beau, super. Et de un... Avec succès, pas ça. Cinq clés. Qu'on va installer dans les serrures, les cinq clés, ça vous donne accès à la salle du trésor. C'est la première étape. Oh. Mais c'est pas terminé. La boule qui libère Jean-Michel, qui a été fait prisonnier. Hein? Eh on a nos cinq clés, Jean-Michel. Allez. Bravo à l'équipe. Tu peux la mettre dans la serrure, là. Regarde, voilà. Bon. Maintenant, une fois qu'on a accès à la salle du trésor, il faut trouver le bon mot-code. Et le bon mot-code, on l'obtient avec des indices. Le premier indice, Marie-Josée, tu vas l'avoir avec le père Fourat qui va donner trois définitions du même mot. Ce même mot devient le premier indice pour le mot-code. Tu montes immédiatement à la vigie. Vinci! OK? Vas-y, Vinci, oui. Les autres indices, c'est sur des papiers, c'est des mots. Soit dans les cartouches, soit un peu partout sur des papiers, on cherche des mots. Joanne, tu vas te préparer pour la première aventure, s'il te plaît. Voilà, vas-y avec Alain. Vas-y avec Alain. Avec Alain. Content de toi, Joanne. T'es capable, ça nous prend pour commencer à réfléchir dès qu'on a des mots pour trouver le bon mot-code qui donne accès au broyeur. Vous êtes ici pour ça. Allez! Allons-y! Ça, c'est weird. Comment Joe qui capte. Ah! Oh, Dieu! Très bien, ça! Bravo! C'est beau! Hey, c'est super, ça! Ben oui, super, super! J'ai la langue au plancher. Oh, j'échange la leçon gratuite contre une danse des cellules grises. Bon, voici les trois définitions. L'indice peut être un ami précieux ou un ennemi destructeur. Oh. Plusieurs artistes se disent habités par l'indice s'il est sacré.
le feu sacré. Ah, bien. Oui. Vous avez le feu sacré, vous aussi. Allez, vous avez l'indice et vous rejoignez vos amis qui vous attendent autour du tremplin du fort. Bravo, Marie-Josée. Allez. Bravo. Et merci à vous, hein. Oh, c'est beaucoup mieux, là, maintenant, là. Ah oui. Eh bien, Joanne, tu vois, la cartouche, elle est là. Toi, t'as une chanson qui... Il y a du vent, hein? Ça vente un peu. T'as une chanson qui dit « Prends ma main, on va rejoindre les copains, on va arriver jusqu'à demain. » OK, c'est quoi ça? Le mot de feu. Okay. Alors là, c'est pas « Prends ma main », c'est « Prends la cartouche, et si on a chaud, on ira prendre une douche. » Je vous en sais. Quoi qu'il en soit, la cartouche, elle est là. Ben, ici, t'as peut-être plus besoin de grand-chose que d'habitude, par exemple. OK. Joanne, tu vas garder les yeux dessus, OK? Les bras en avant. Avec les bras en avant, tu peux l'attraper avec les pieds, les jambes, les bras, le corps au complet. Embrasse-le. Tu l'ouvres et tu nous le dis. Avec les pieds, comment tu fais? Ah, tu le poignes, ce que tu veux, OK? Avec tout ce que tu peux, mais les deux bras en avant. Parlez pas de vue. OK, on s'en va en bas l'accueillir. Joanne, tu vas avoir un bon petit... Il vente un peu, ça va faire du bien. On va être en bas, OK? On t'attend. Vous savez pas combien c'est haut. Ça va m'écraser, ça. Oh, ça va me faire mal. Ça, c'est weird. Comme un jour qui calme. OK, c'est à 20 mètres, t'y vas, OK? On est là. Les deux bras bien en avant, OK, Joanne? Je fais rien. Joanne, c'est pas ça. Les mains en avant, OK? Vous me tenez. T'sais, moi, je veux juste avoir une sensation de... Les capables en avant, les bras en avant, Joanne. Bien en avant des tempes, non, le pas en arrière, mal en avant. Voilà. En avant des tempes. OK. Les yeux ouverts, les bras en avant, en avant. Feu et trait. Bon, vous avez tout le temps à réfléchir. Vous avez tout le temps à réfléchir. Stéphane. Bonjour. Ici Stéphane. Comment? Oh, ici. Merde. Non, il n'y en a pas de ça ici. Certains vont en trouver. Peut-être pas en bas, mais. Non, sur moi. Faut se donner pour son équipe à l'occasion. Il faut dépasser ses limites à l'occasion également. Et il faut faire en sorte qu'on trouve, encore une fois, une cartouche dans laquelle il y a un indice. Ça va être le fun d'appeler. Vas-y. T'as un rendez-vous. Ah, OK. T'es capable, mon Stéphane. Stéphane? OK. T'as des copains, là, dans le fond? Comment ça va? Stéphane? Oui, d'accord. OK, les serpents sont pas venimeux, OK? OK. Si tu les brusques, ils peuvent te mordre, alors je voudrais que tu restes calme. Tu avances, et quand tu vois des trappes, tu les ouvres. Tu vas trouver un cylindre métallique en grillage dans lequel il va y avoir la cartouche puis l'indice. OK? Alors... Non, il n'y a pas de danger certain, mais... Tu peux peut-être essayer de leur faire une petite balade pour les calmer. Moi, je pensais qu'il y en avait deux ou trois. OK. Puis qu'est-ce que je pense, là? Il y en a plus que 80, Stéphane, fait que tu n'as pas fini d'en trouver. Mais les serpents sont... Les clés, dans quoi? Dans un cylindre grillagé, OK? Alors, tu les déplaces, tu les soulèves délicatement. Délicatement. OK. Ben oui, t'as pas vu comment il y en a, comment, toi? Allez, vas-y. Il faut que tu les bouges. Je pense à l'équipe parce que l'indice va tout détruire. Hein? C'est beau. T'es déjà fait un ami. Comment ça va? Faut leur parler. Ça va très bien. Tu peux leur chanter des petites chansons, si tu veux.
pour me chanter. Hey, ta gang. C'est beau. T'en viens, vas-y. Oui, doucement, oui, doucement. Salut. Dans le grillage, vas-y, oui. Ben oui, évidemment, ils n'ont pas voulu faire ça. Évidemment, OK, alors tu continues. Tu vas dans une autre frappe si t'as l'impression que c'est pas là. Tu continues, lâche pas. Faudrait pas que les îles s'autodétruisent, c'est pas bon. T'es capable, mon Stéphane. Ça va juste des c'est bon. Oh, 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 tu fais bien ça, bravo. C'est beau! C'est super, ça! Ben oui, super, super! Si tu vois pas un grillage, va plus loin. Si tu vois pas un grillage, va plus loin. Oui, il y en a un grillage. Assez bon. Ils font du bruit, c'est normal. Vas-y! Pas grave, pas grave. Vas-y, essaye de chanter des chansons, comme tu fais. Là, c'est attaché, ça, ce grillage-là. Est-ce que c'est dedans? Ah, qu'est-ce que c'est pas mal? OK, tire dessus, il est attaché. OK, je l'ai. C'est super, Stéphane. Je dévisse ça là? Attention, il y a un serpent derrière toi, Stéphane. Pas tire dessus, tire dessus. C'est là? Oui. Hé, hey, Stéphane, viens ça avec le mot. Viens ça avec le mot. Moi, y a-tu un mot là-dessus? Y a-tu un mot là-dessus? Oui, y a quelque chose. Y a quelque chose? Stéphane! Alors, le mot? Paradis. Paradis. Hé, hey, dis-moi donc, est-ce que c'était le paradis? Johan, il l'a eu. Il est là avec le serpent. Viens ça. Hé, hey, bravo! C'est un petit paradis, ça? Je pensais qu'il y en avait trois, moi j'ai dit deux. 80, tu l'as eu, on s'en va à la salle du trésor. Tu vas trouver un cylindre métallique en grillage dans lequel il va y avoir la cartouche puis l'indice. OK, alors... Tabarnak, ben non, il n'y a pas de danger certain, mais... Ben oui, t'as pas vu comment il y en a, comment? Allez, vas-y. Salut, il faut que tu les bouges. Pense à l'équipe parce que l'indice va s'autodétruire. C'est bon. T'es capable, mon Stéphane. Ça va. On va juste débarquer. Bon, tu fais bien ça, bravo. C'est beau. Elle est super, ça. Ben oui, super, super. À la dernière étape de la course au trésor. Hein? Est-ce qu'il reste encore un peu de temps? Oui, ils ont du temps pour réfléchir. Alors, prenez vos trois mots. Quels sont ces mots? Train, feu, paradis. Je dois préciser quelque chose absolument maintenant. Hein? L'orthographe du mot code doit être précis. Et quand la cloche va être sonnée, vous n'avez que 3 minutes. Et au terme de ces 3 minutes, il faut ressortir parce que les tigres vont revenir dans la salle du trésor. Et il faut que vous soyez absolument certain de votre mot code. Sinon, la porte se referme et il n'y a pas de trésor. Alors, c'est le temps de réfléchir, de se consulter pour trouver le bon mot code. Qu'est-ce qu'on a? Train, feu et paradis. Train, paradis. J'ai dit enfer. J'ai pensé en enfer. Qu'est-ce qu'on a? Okay, train d'enfer, paradis. OK. Est-ce qu'on fait un sacrifice pour être sûr? Qu'est-ce que vous en dites? Êtes-vous confiant avec enfer? Parce que si on se trompe de mot, on est fait de l'autre côté. C'est fini, on n'a rien. Moi, je botte. Pour Je pense qu'on peut ramasser des sous aussi. Il semble que ça sonne, non? Y a-t-il autre chose? On peut penser à autre chose. Attention, ça va bientôt maman sonner la cloche. Moi, si vous voulez un sacrifice, faites-le tout de suite. Va pas un sacrifice. Si vous voulez un sacrifice, faites-le tout de suite. Est-ce qu'on a un sacrifice? Tu veux-tu un sacrifice? Une quinzaine de secondes, là. Faites-le vite. Un sacrifice ou pas? Allez, rentre la main. Allez. OK, la cloche. Bon. Le 3 minutes final est commencé. Donation. Oui, en vrai. Bien sûr. OK, let's go, hein? Organisez-vous. C'est temps de s'organiser, là. OK, les amis, OK. Attendez, les élèves. Yo, E-M-F-E-R. Non, c'est bon. OK. E-R. On
Non, j'ai le R. J'ai pas le R. J'ai le R. J'ai les deux tête de tigre. C'est bon. Tête de tigre. Même chose que les épreuves quand on arrive sur le fameux damier avec les lettres, on en perd quelques morceaux. Mais là, c'est pas le temps de faire des broyards, là. Non, allez-y, rentrez tout ce que vous pouvez. Allez, bon. Allez, faites attention, les tigres changent de cellule et au bout, ils vont ressortir. Il faut pas rester là. On remplit les bras, on fait des gros voyages, C'est de la gourmandise dans la Stéphane, essaye de pas échapper ce que t'as. OK, allez, venez-vous-en, C'est pas des candidats, c'est des abeilles. Allez, faut rentrer les autres. On va faire plusieurs voyages. Viens-t'en, Stéphane. Essaye de pas échapper. Oh. OK. Belle petite démarche, mon Stéphane, belle petite démarche. Attention, on va pas tarder à baisser. Vous êtes sérieux quand vous avez les bras croisés, les gars? Hein? Bon. Attention, les tigres vont changer de cellule à nouveau. Allez, venez vous Faites des voyages. Allez, on se remplit. La porte a commencé à baisser. Venez vous en. Revenez. Allez, on prend tout ce qu'on a. Vous avez des bonnes assurances, mais vous donnez un coup sur l'assurance, en tout cas. Oh! Le bon mot code, effectivement, c'était enfer. Tout d'abord, à la vigie, les trois définitions du perforant, on a eu feu. Feu d'enfer, évidemment. On a eu train comme train d'enfer. Paradis était l'antonyme d'enfer. Et finalement, damnation comme l'expression enfer et damnation. On a vécu l'enfer, par exemple, avec les candidats d'aujourd'hui. Il restait à peine, allez. 30 cm de pas. Stéphane, Joanne, Marie-Josée, venez nous joindre. Hey, oh. Allez, l'autre côté. Voilà, c'est pas fini. On veut savoir combien il y a là-dedans. Là, vous n'étiez pas obligé de nous donner une épreuve à nous autres en sortant, par exemple. Écoute, il reste là. Marie-Josée, t'étais à la porte. Savez-vous, c'est quoi la chose la plus paradoxale que je dis dans cette émission-là? C'est... Prenez votre temps, restez calme et faites-toi vite! On attend de... Venez, Alain, à la côté. On veut savoir combien il y a là-dedans. Allez. Hey, vous nous avez fait peur. Hein? Hey, wow! Beau trésor, deuxième étage, d'abord. Wow! C'est bon! As-tu aimé tes petits amis, Stéphane, en bas? As-tu aimé tes petits amis dans le cœur? C'est bon. Joanne, pensais-tu que tu y arriverais? OK. C'est le temps de remonter notre trésor. Bon. Excellent, c'est à vous. Oh. On y va. À nous, à tous. Salut tout le monde, à bientôt. Mercredi prochain, 19h30, voyez Manon Réaume et André Robitaille affronter le Fort Boyard. Demeurez des nôtres, le spécial Rock Voisine suit dans un moment.
Fort Boyard était une présentation signée Chevrolet.